Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers Milmilo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reaction direction le Japon avec tout simplement le Girls Group XJ. Il y a quelques temps, ils ont tout simplement sorti leur XJ Vox 5. Vous avez pu voir différentes réactions à cette série sur ma chaîne. Je vous invite d'ailleurs à aller les regarder. Et si je me souviens, je vous mettrai ici les liens. Et nous avons droit donc tout simplement à ce XJ Glee, XGLEE Club et les membres Hinata, Jura et Chisa. Oui, je suis très très nulle pour prononcer les titres, les noms. Vous avez l'habitude, Mel égale nul en prononciation et en langue. Je parle déjà plus ou moins correctement ma langue maternelle, c'est déjà pas mal. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Milmilo. Roulement de tambour et j'ai envie de te dire, générique. Alors oui, j'avais dit que j'attendrais qu'il y ait plusieurs vidéos de ce côté Vox pour faire une réaction. Mais là, je vois que la vidéo est quand même sortie il y a à peu près 10 jours. Et je me suis dit, bah, j'ai pas trop envie d'attendre, je vais quand même faire la réaction indépendamment. Et si d'autres Vox hashtags sortiront, évidemment, j'en ferai la réaction. Ce groupe, j'aime tout ce qu'ils font depuis leur début, leur polyvalence, leur stabilité, leur style, leur concept. Franchement, c'est un très 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 bon groupe, même plus qu'un bon groupe, un excellent groupe, et je comprends le succès qu'ils essuient actuellement. C'est tout à fait normal. Je vous mettrai ici également la dernière réaction que j'ai pu faire au groupe complet. J'avais adoré, vraiment adoré ce côté vraiment fantastique, jeu vidéo, personnage virtuel. C'était juste un chef-d'œuvre visuel. Mais bon, avant de réagir, j'espère que vous allez bien, mes chers Milmilo, en ce 5 juillet, que vous avez passé également une bonne journée. Moi, dans l'ensemble, ça va, la fatigue toujours présente, mais la bonne humeur est là aussi, donc tout va bien. Allez, let's go pour ce XJ Vox hashtag 5. Nous avons d'abord Hinata et le titre Bert. Évidemment, ce sont des covers. Ok, elle est juste dans la rue. J'aime avec ce côté Vox, c'est qu'ils mettent vraiment à chaque fois les membres en avant et tu peux voir leur qualité, que ce soit au niveau terme de chant, de visuel, de rap, de danse. C'est vraiment cool, franchement c'est vraiment cool et c'est hyper malin. Nous avons Jura avec le titre Chef of My Heart. On a vraiment cette unité vocale, hein. En japonais. I'm not a
réfléchis ça. Elles ont toutes vraiment de magnifiques voix, hein. Ce groupe, elle m'épate à chaque fois. J'aime beaucoup son collier. Tu me le donnes? Ses accessoires avec ses gants. Très joli. Ok, nous avons les trois membres réunis. Oh, j'adore leur look. Encore une fois, nous avons un XJ Vox de qualité. J'aime le fait que, comme je disais pendant ma réaction, bah, il montre tout simplement les talents à chaque fois individuels de chaque membre, dont chacune de leurs qualités, que ce soit en termes de rap, vocal, danse, expression faciale, etc. Là, on a vraiment une unité plus vocale. Je suis chaque fois impressionnée par leur tessiture de voix qui est juste magnifique, bien maîtrisée. C'était dans la globalité, les trois performances vocales de chaque membre étaient assez simples au niveau visuel, mais très chouette quand même à regarder juste dans la rue, un peu en mode flâner, etc. Et puis à la fin, ce côté beaucoup plus underground au niveau de leur tenue, beaucoup plus hip-hop et réunis, c'était très beau, très joli make-up coloré. Je passais juste encore un excellent moment en leur compagnie. Et vous, mes chers Mélimilo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais qu'est-ce que vous pensez de ce côté XJ Vox. Chaque fois, ils démontrent leur talent, chaque fois individuel ou par duo, par trio, etc. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye, sayonara.